Alors, ici, on va traiter l'exercice 3 de notre série. Alors, c'est le queue d'abord, 2 parmi 5 entrelacés. Alors, ici, l'étiquette de cet exemple code un nombre décimal composé de 4 chiffres, N0, N1, N2, N3. Alors chaque chiffre décimal donc est codé en utilisant le code 2 parmi 5 qui est représenté ici par cette table de vérité. Donc par exemple pour le 0, le 1, le 2 jusqu'à 2, 0 jusqu'à 9, tous ces chiffres décimaux donc sont codés par le code 2 parmi 5 au moyen de 5 bits. D'accord? Voilà, donc par exemple pour le 0, il est codé par 0, 0, 1, 1, 0. Le 1 est codé par 1, 0, 0. Et ainsi de suite. D'accord? Alors le code ici, le code à barre, s'appuie sur le code 2 parmi 5. Il est appelé code 2 parmi 5 entrelacé. Alors pourquoi donc entrelacé? Parce que pour coder l'information N3, N2, N1, N0, on utilise à la fois les barres et les espaces entre les différentes barres. D'accord? Pour coder bien sûr le nombre décimal N0, N1, N2, N3. D'accord? Voilà ici le nombre décimal N3, N2, N1, N0. Alors pour les chiffres qui sont impairs, à savoir le N1 et le N3, ils sont codés par quoi? Par les barres noires. D'accord? Donc je reprends. Les chiffres de rang impair, à savoir le N1 et le N3, sont codés par les barres noires. D'accord? Quant aux chiffres de N0 et N2, qui sont de rang pair, ils sont donc codés par les espaces. D'accord? Les espaces entre les barres. D'accord? Alors, ici, chaque barre large qui utilise deux unités, d'accord? Constitue un 1. Donc par exemple, cette barre c'est un 1. Donc il est large. Cette barre c'est un 0. Celle-là c'est un 0. De même pour les espaces. Un espace large sera compté comme étant quoi? Un 1. Et un espace étroit sera compté comme étant quoi? Comme étant un 0. D'accord? Voilà on va essayer de répondre un petit peu aux questions posées. Alors, on vous demande de déterminer le code lu qu'on va lire dans le cas de cette étiquette qui est représentée ici. Voilà, et si je reprends que pour le nombre décimal N3, N2, N1, N0, qui est bien sûr constitué de 4 chiffres, alors les chiffres de rang impair, à savoir N1 et N3, sont codés par des barres, par les barres noires. D'accord? Et puis, ceux de rang N0 et N2 sont codés par les espaces. Donc c'est la raison pour laquelle le code est appelé entrelacé, code 2 parmi 5 entrelacé. Pour l'information N3 et N2, on va la lire tout simplement ici. D'accord? Dans cette partie de l'étiquette. Et l'information N1 et N0, on va lire ici. D'accord? À ce niveau. Commençons par le N3. Alors le N3 il est de rang impair, donc il va être lu sur des barres. Donc ici, barre large, elle utilise deux unités, d'accord? Donc ça fait 1, et les autres ce sont des 0. Donc qu'est-ce qu'on va lire pour le N3? On va lire ici 1, 0, 0, 0, 1. Donc 1, 0, 0, 0, 1. Donc à partir de la table de vérité, on va voir c'est le code de quoi? Donc 1, 3, 0, 1. 1. 3, 0, 1. C'est le code de 1. D'accord? Donc le N3, ça représente un 1. Voilà, donc c'est 1, 0, 0, 1. Donc ça fait quoi? C'est le code de 1. Alors maintenant pour le N2, on va le lire ici sur les espaces. Donc ici, espace étroit, étroit. Donc ce sont des 0, 0. Et là, c'est un espace large, c'est un 1. Là aussi, c'est un espace large, c'est un 1. Donc pour le N3, on va lire quoi? 0, 0. Toujours les espaces. 0, 1. Voilà, 3, 0, 2, 1. Alors, c'est le code de quoi? 3, 0, 2, 1. Voilà, c'est le code de 7. On est là. 3, 0, 2, 1. Donc, c'est le code de 7.
Alors pour le N1, donc il est de rang impair, donc on va le lire sur les barres à ce niveau. Donc ici 1, plutôt c'est une barre étroite, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà, donc pour N1, donc on a dit c'est 0, 1, 0, 1, 0. Voilà, 0, 1, 0, 1, 0. Donc 0, 10, 10. Alors donc ça c'est juste pour simplifier je dis 10, 10, donc c'est 0, 10, 10. Alors il est où ce 0, 10, 10? J'arrive pas à le trouver, donc 0, 10, 10. Donc c'est le 9, il est là. D'accord? 0, 10, 10. C'est le 9. Donc maintenant pour le N0 sur les espaces, donc ça va faire ici pour cet espace 0, 1, 1, 0, 0. Voilà. Donc je reprends 0, 1, 1, les espaces pour N0. 0, 0. D'accord? Donc 0, 11, double 0. Alors donc 0, 11, double 0, donc c'est le 6. D'accord? Voilà donc ici l'étiquette, qu'est-ce qu'il code comme nombre? Il code le nombre décimal 1796. Donc le code lu, c'est N3N de N1, N0 égale 1796. Voilà donc après, on passe à la deuxième question. Donc le code justifie pourquoi le code est appelé 2 parmi 5. Donc en question, donc la réponse elle est déjà là. Donc ce code est appelé 2 parmi 5 parce que pour chaque chiffre ou bien chaque pour parmi les 5 bits qui codent chaque chiffre décimal, par exemple le code de 0, le code donc parmi les 5 bits qui codent chaque chiffre décimal, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc 2 bits qui sont à 1 et le reste est à 0 parmi les 5 bien sûr. Ici on a 2 1. Pour le 1 on a aussi dans le code 2 1 et 3 0 bien sûr. Pour le 2 on a 2 1. Donc voilà, donc le code est appelé 2 parmi 5 car parmi les 5 bits codant chaque chiffre décimal, 2 sont à 1. Alors donc vous pouvez déterminer les chiffres, donc le nombre de combinaisons possibles en utilisant quoi? Le 2 parmi 5. Donc il faut utiliser l'outil mathématique, le C25, qui est égal, etc. D'accord? Donc essayez de faire ça chez vous. Le 2 parmi 5 que vous avez en mathématiques. Vous devez trouver des combinaisons. Donc C25. D'accord? Le C25. 2 parmi 5. Donc essayez de le calculer. Utiliser les mathématiques bien sûr pour démontrer qu'il s'agit que ce code permet de nous donner combien de combinaisons? Ce 2 parmi 5 permet de nous donner 10 combinaisons. De 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 9. D'accord? De 0 jusqu'à 9, ça fait 10. Voilà donc intérêt vis-à-vis de la détection des erreurs. On vous demande de justifier l'intérêt de ce code vis-à-vis de l'utilisation de ce code 2 parmi 5. Donc vis-à-vis de la détection des erreurs. Donc c'est une question qui est un peu dure. Il faut remarquer que le code ici est représenté par une matrice constituée de 10, de 10 lignes, de 0 jusqu'à 9. Donc on a 10 lignes dans ce tableau ou cette matrice. Et combien de colonnes? Bien sûr, 5 colonnes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors donc, il faut remarquer que pour chaque ligne, le nombre de bits à 1, on a 2 bits qui sont à 1. Ça, c'est le 2 parmi 5, c'est déjà dit. Là, on a aussi 2 bits à 1, 2 bits à 1. Mais il faut de même pour chaque ligne. Mais de même, il faut remarquer que pour chaque colonne, on a combien de bits à 1? 4. 1, 2, 3, 4. Pour cette colonne de même, 1, 2, 3, 4. 4 bits à 1. Pour cette colonne de même, 1, 2, 3, 4. De même pour les autres. Donc si on sait jamais un bit est erroné, on a une erreur sur l'un des bits, il sera facilement détecté donc par l'intersection de la IM ligne qui ne respecte pas le fait d'avoir un nombre de 1 qui est égal à 2 et la JM colonne qui ne respecte pas le fait d'avoir un nombre de 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à 4. Voilà, donc on va essayer de dire ça. Donc le code 2 parmi 5 est représenté par une matrice que j'ai appelée B. C'est une matrice des 0 et des 1 à 10 lignes. D'accord? Des lignes de 0 jusqu'à 9. On a 10 lignes dans ce tableau et 5 colonnes. Alors l'essentiel, donc qu'il fallait remarquer que pour chaque ligne, le nombre de bits à 1 est égal à 2. Et pour chaque colonne, le nombre de bits à 1 est égal à 4. Donc un bit erroné PSJ sera donc facilement détecté par l'intersection de la IM
ligne BIG, la IM ligne et la JM colonne qui ne respectent pas ces deux conditions. Je donne un exemple. Supposons que ce bit est erroné, celui-là. Au lieu que ça soit égal à 1, donc une erreur de transmission des données, etc., fait que ce bit contient une erreur. D'accord? Alors, comment on va le détecter? Donc, on place ce code dans la matrice. Et puis, par la suite, on vérifie quoi? On vérifie les lignes. Donc, cette ligne contient 2, 5, 2, 2, 2, 1, pas de problème. 2, 1, pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Ah, celle-là, elle contient seulement un seul 1. Donc, automatiquement, je déduis que j'ai une erreur au niveau de quoi? De cette ligne. Maintenant, quel est le bit qui est erroné? On ne le sait pas. Est-ce que c'est celui-là? Erroné, ça veut dire qu'il contient l'erreur. Donc, est-ce que c'est celui-là? 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 Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer quel est le bit qui contient l'erreur, ou bien qui est erroné? Il suffit de vérifier maintenant les colonnes. Cette colonne contient, donc pour la deuxième condition ici, cette colonne contient 4-1, pas de problème. 4-1, pas de problème. Celle-là, donc, elle contient 1, 2, 3, donc 3-1. Donc, là, on a un problème pour cette colonne. D'accord? Donc, ce qui est fait, je trace cette colonne et à l'intersection de la colonne contenant plutôt la IM ligne contenant l'erreur et ou bien ne respectant pas la première condition et la JM colonne qui ne respecte pas la deuxième condition, l'intersection, ça me donne le bit qui est erroné. Et donc, pour corriger, il suffit de l'inverser. D'accord? Si l'état 0, on va le mettre à 1 et si l'état 1, on va le mettre à 0. D'accord? Puisque on travaille avec des bits, donc un bit ne peut prendre que deux valeurs, soit 0, soit 1. Le complément de 0, c'est 1 et le complément de 1, c'est 0. Voilà. Donc on étudie maintenant le transcodage qui permet de passer du code binaire naturel au code 2 parmi 5. On se propose de déterminer le circuit transcodeur qui permet de passer du code binaire naturel au code 2 parmi 5. D'accord? Alors on vous dit soit BN, BN-1, BN-2 jusqu'à B0, le code binaire naturel qui est à l'entrée du circuit transcodeur. Et puis on vous pose comme question, pour coder les nombres décimaux de 0 à 9, combien faut-il de bits? Donc la réponse est déjà sur le schéma. D'accord? Alors donc là, il faut voir le plus grand nombre. D'accord? Donc je sais que N bits peuvent coder 2 à la puissance N. Information, d'accord, c'est de 0 jusqu'à 2 à la puissance n-1. Par exemple, 3 bits, ils vont coder 2 à la puissance 3, donc c'est 8 informations ou bien 8 chiffres décimaux, c'est de 0 jusqu'à 7. D'accord? Alors, donc là, ici, le 9, pour coder le 9, il suffit de voir, plutôt de 0 jusqu'à 9, le plus grand nombre ici, c'est 9. Il suffit de voir l'une des démarches, c'est par exemple de voir à l'aide de combien de bits le 9 s'écrit. Donc, si vous convertissez le 9 en binaire naturel, vous allez trouver que 9 dans la base 10 est égal à 1001 dans la base 2. Donc, automatiquement, il nous faut quoi? 4 bits. D'accord? Je sais qu'à l'aide de 4 bits, je peux coder 2 à la puissance 4 nombres décimaux ou bien 2 à la puissance 4 informations dans le cas général. Donc, pour les nombres décimaux, c'est de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 15. D'accord? Voilà, donc, sinon. Parce que 3 bits ne sont pas suffisants pour coder de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à 9. Donc ils sont suffisants de coder de 0 jusqu'à 7. Donc pour coder jusqu'à 9, il faudrait avoir automatiquement 4 bits. Donc ce qui est expliqué ici par le fait que 9 à la base 10 est égal à, c'est l'une des justifications si vous voulez, égale à 1001 dans la base 2. Donc ce qui fait que 9 s'écrit au moyen de 4 bits, le plus grand nombre ici à coder bien sûr. Donc ce qui fait qu'il nous faut 4 bits. Voilà, donc après table de transcodage à compléter. Donc ici le binaire naturel, on passe du binaire naturel au code 2 parmi 5. Là les chiffres décimaux bien sûr à coder sont de 0 jusqu'à 9. On commence par 0 et dans un ordre croissant, aucun nombre ne manque. Donc notre méthode d'alternation, il faut alterner au niveau de B0, c'est bien sûr B0 c'est le bit de poids le plus faible, plutôt le plus faible, donc 2 à la puissance 0, et B3 c'est de poids le plus fort. 2 à la puissance 3. Donc ici on alterne des 0 et des 1 pour B0, bien sûr 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Après pour bien, il faut alterner 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1 et ainsi de suite.
Après, pour B2, il faut alterner 4, 0, 4, 1 et ainsi de suite. C'est le code binaire naturel. On a déjà vu ça. Et pour le B3, donc si 8, 0, 8, 1 et ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc après, on vous demande de déterminer les expressions les plus simplifiées, je crois, de P4, P3 et P1. Et vous pouvez faire la suite, bien sûr, chez vous, si vous voulez, pour P2 et P0. Ainsi, on aura déterminé notre circuit de transcodage. Donc, pour déterminer ce circuit de transcodage, il suffit de déterminer, de trouver les expressions des sorties en fonction des entrées. Alors, concentrez-vous sur le P4. On veut son expression de la sortie P4, son expression la plus simplifiée en fonction des entrées BI. D'accord? Donc, j'ai encadré ces P4. Voilà, le code ici pour le j'ai combien d'entrées? C'est deux, c'est quatre entrées. Donc j'ai dans mon tableau de Carnot, je vais avoir 2 à la puissance 4 cases, donc 16 cases. Donc voilà, j'ai ici B3, B2. Bien sûr, il faut utiliser ici le code binaire réfléchi. Rappelez-vous de ça toujours. Pour le B1, B0, de même code binaire réfléchi à ce niveau. Après, donc pour le P4, donc je peux utiliser le tableau brouillon dont j'ai déjà parlé dans l'application Afficheur 7 segments. Bon, mais sinon, on peut donc prendre un peu de temps pour le remplissage de quoi de ce P4, mais vous verrez que pour P3 et les autres, donc et P1, donc ça sera un peu plus facile. Donc pour le P4, ça va nous prendre un peu de temps, c'est pas grave. Donc voilà. Alors pour la combinaison 4, 0, donc ça fait 0. Voilà, 0, 0, ça fait 0. Ici, pour 0, 0, 1, ça fait 1. Donc, c'est à ce niveau. Après, pour 0, 0, 10, ça fait 0. Donc, c'est à ce niveau. Après, pour 0, 0, 11, ça fait 1. Donc, c'est à ce niveau. Après, si pour 0, 100, ça fait 0. Donc, c'est à ce niveau. Alors, 0, 101, ça fait 1. Donc, c'est à ce niveau. Après 0,110, ça fait 0, attention, c'est à ce niveau. Et puis pour 0,111, ça fait 0, donc c'est à ce niveau. Après, faites attention, pour 10,00, on doit sauter ici. Donc 10,00, ça fait 1. Donc 10,00, ça fait 1. Après, vous avez 10,01, ça fait 0. Alors attention de faire l'erreur de dire voilà, tiens, je vais essayer de compléter là où j'ai des 1 et puis le reste, c'est quoi? C'est des 0. Attention. Alors, ça, cette démarche, remplir là où on a les 1 et puis le reste des 0, ou bien faire l'inverse, remplir là où on a des 0 et le reste c'est des 1, c'est faisable, c'est quand on utilise, quand toutes les combinaisons sont utilisées. Remarquez bien ici que dans ma table de transcodage, j'ai 4 entrées. Alors le nombre de combinaisons possibles normalement c'est 2 à la puissance 4, donc ça fait 16, alors que le système n'est décrit que par 10 combinaisons, de 0 jusqu'à 9. Donc automatiquement, on a des combinaisons qui ne décrivent pas le fonctionnement du système. Et donc dans le tableau de Carnot, on en a déjà parlé, ils seront représentés ces combinaisons qu'on appelle combinaisons indifférentes, ou bien ils seront représentés bien sûr par des états indifférents, noté par le symbole vide, l'ensemble vide, le phi, ou bien le x. Vous pouvez utiliser aussi le x. Donc il ne faut pas mettre des 0 ici, ni des 1, d'accord? Donc ce sont des états qui ne décrivent pas le fonctionnement du système. Donc faites attention à ça. Voilà, ce sont des états indifférents. Alors maintenant pour l'expression simplifiée, il faut regrouper les 1, attention toujours. Voilà, donc j'ai par exemple ce 1. Peut se regrouper avec cet état indifférent, bon, on verra pour les autres, mais j'ai mieux que ça, donc je peux regrouper ces 4, le 1 plus ce phi plus ces 2 phi. Donc rappelez-vous que ce sont les 1 qui nous intéressent. Et les états indifférents nous aident quoi? Nous aident à obtenir un regroupement qui est plus grand. D'accord? Pour répondre à la règle qui dit faire des regroupements les plus gros possibles. D'accord? Bien sûr, pour obtenir des expressions les plus réduites ou bien les plus simplifiées. Voilà, donc je regroupe ces quatre caractères cylindriques. Alors maintenant, ici, pour ces 2,1, voilà, donc on peut les regrouper de même. Et puis pour ces 2,1, de même. D'accord? Voilà donc pour l'expression simplifiée de P4. Donc je vais avoir P4 égale, alors pour celui-là, donc ça va faire B3 et puis je saute de là jusqu'ici. Donc ça fait quoi? C'est B3, B0 bar. Voilà. Après pour le regroupement vert, donc ça va faire B3 bar, B1 bar, B0. Voilà.
Après, donc pour le regroupement bleu, donc ça va faire B3 barre B2 barre, et à ce niveau ça fait B0. Voilà, B3 barre B2 barre B0. Voilà donc pour l'expression de P4. Passons maintenant à l'expression de P3. Alors donc pour l'expression de P3, donc pour compléter le tableau, donc il faut être intelligent. Commençons par quoi? Par compléter tout d'abord les états indifférents. Voilà. Une fois c'est fait, donc on va compléter soit des 0, soit des 1, ça dépend. Donc, bon, pour le P3, il y a autant de 1 que de 0, je crois. Non? Non, il y a 4 1, donc 1, 2, 3, 4. On a déjà dit que chaque colonne contient 4 1. Donc, on va essayer de placer les 1. Alors, j'ai 1 pour la combinaison 0, 0, 10. 0, 0, 10, donc 1 à ce niveau. J'ai aussi 1 pour la combinaison 0, 0, 11 à ce niveau. J'ai aussi, toujours concentrez-vous sur P3, 1 pour 0, 1, 10 à ce niveau. Et puis finalement, j'ai 1 pour la combinaison 10, 0, 1. Alors 10, 0, 1 à ce niveau. Et là, le reste, c'est des 0, bien sûr, après avoir tracé, complété bien sûr les états indifférents. Voilà. D'accord? Donc là, donc. Pour l'expression donc simplifiée, donc voilà, donc j'ai on va regrouper ces 4 1, plutôt ce 1 avec ces 3 phi. D'accord? Après donc on va regrouper ces 4. D'accord? Et après voilà, on peut regrouper ces 2 1, mais on a mieux que ça. Donc on va regrouper ces 2 1 avec ces deux états indifférents. Une fois les 1 sont pris en considération, c'est stop. Il ne faut pas aller regrouper les états indifférents. Les états indifférents, qu'est-ce qu'ils nous facilitent d'obtenir des regroupements les plus grands possibles. D'accord? Ou bien voilà, les plus grands possibles. Ouais, c'est bon. Voilà donc pour l'expression. Donc pour le bleu, donc ça va faire quoi? Donc l'expression de P3. Pour le bleu, donc ça fait. B3 B0. Après pour le vert, donc ça va faire B1 B0 barre. Après pour celui-là, l'orange, on va dire, donc ça fait B2 barre. Et puis ici, c'est quoi? C'est B1 B2 barre B1. Voilà. Après, donc je passe à l'expression de quoi? De P1. Alors, donc ici, rapidement, donc voilà. On va le donner rapidement et essayer de vérifier. Alors pour les regroupements, donc là, regardez bien que tous les états indifférents seront pris en considération. Pour regrouper ces 2, 1, il y a mieux. Donc on peut regrouper les 4, mais il y a encore mieux, il faut regrouper les 8. Voilà. Remarquez bien que tous les états indifférents ici sont pris comme étant des 1. Mais on laisse comme ça. D'accord? Voilà, donc pour ce 1, donc on va le regrouper avec cet état indifférent. D'accord? Et pour celui-là, on va le regrouper avec celui-là. Alors, si j'avais ça sous forme d'un 1, on peut utiliser la notion de sphérique que nous avons déjà vu. Mais ainsi, donc, je peux regrouper ce 1 avec celui-là. Et c'est tout. Voilà. Et donc, voilà l'expression. Essayez de vérifier rapidement. Bon, voilà. Donc, après, on passe à quoi? On passe à l'expression de quoi? Plutôt au transcodage inverse. Un transcodeur inverse qui va nous permettre de passer du code 2 parmi 5 au code binaire naturel. D'accord? C'est le transcodage inverse. Voilà, donc après, donc on vous demande de déterminer l'expression de quoi? De B0. Donc ici, les entrées, c'est ça. On va inverser un petit peu les rôles. Et les sorties, cette fois-ci, ce sont les bits B0, B1, B2, B3. On vous demande juste de déterminer B0 et quoi? Et B1. D'accord? Voilà, donc. Combien d'entrées j'ai? Cette fois-ci, c'est P0, P1, P2, P3, P4. 5 entrées, ce qui veut dire que dans le tableau de Carnot, je vais avoir 2 à la puissance 5 cases. D'accord? Alors, 2 à la puissance 5 cases, c'est 32 cases. D'accord? Et voilà donc ce qui veut dire que je vais avoir donc 4 lignes et bien sûr 8 colonnes. Alors, bien sûr, pour le P4, P3, je l'ai mis ici. Donc, binaire réfléchi toujours, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et pour le P2, P1, P0, toujours, donc, le code binaire réfléchi. Attention. Donc, je ne vais pas le réexpliquer à nouveau. Hein. D'accord? Donc, vous l'avez dans le cours. Bon, après, donc, comme j'ai dit, donc, on trace les axes de symétrie.
puisqu'on a déjà dit que les cases symétriques peuvent être regroupées dans le cas, bien sûr, d'un tableau de Carnot, donc ayant plus 5, plutôt ayant 5 variables ou plus. D'accord? Après, donc, les petits axes de même. D'accord? Après, donc là, il faut être intelligent pour compléter. De même, ici, on a des états indifférents, parce que dans la table de vérité ou bien la table de transcodage, on doit avoir normalement, comme on a pris comme entrée P0 jusqu'à P4, donc 5 entrées, donc on doit avoir en réalité 2 à la puissance 5, donc ça fait 32 quoi? 32 combinaisons possibles. Alors que le système n'est décrit que par combien de combinaisons? Seulement par 10 combinaisons. Donc on a pas mal d'états indifférents dans ce cas. Comment je peux les déterminer? C'est très simple, parce que je sais que c'est un code qui croit 2 parmi 5 celui-là. Pour chaque combinaison, je dois avoir 2 1. Donc si on sait jamais j'ai une combinaison qui contient un nombre de 1 qui est soit strictement inférieur à 2, soit strictement supérieur à 2, c'est un état indifférent. Donc par exemple ici, c'est un état indifférent. Ça aussi parce que je n'ai aucun 1. Là, on a un seul 1. 0, 0, 0, 1. Donc c'est un état indifférent. Là c'est bon. Là c'est un état indifférent. Et ainsi de suite. Et donc, de même ici par exemple, j'ai 3, 1 et 2, 0. D'accord? 0, 0, 3, 1. C'est un état indifférent. D'accord? Pour celui-là c'est bon. 0, 0, 101. C'est bon, on a 2, 1. Pour celui-là, c'est un état indifférent parce que j'ai seulement un seul 1. Je vais prendre par exemple ce cas ici. C'est un état indifférent parce que j'ai 5 1. Alors que normalement, je dois avoir juste 2 1. Voilà donc la remarque. Une fois qu'on a fait cette remarque, il faut compléter tout d'abord les états indifférents. C'est très simple ici. D'accord? Pour chaque combinaison qui ne contient pas 2 1, c'est un état indifférent. Et par la suite, voir donc pour compléter soit le nombre de 0, soit le nombre de 1. Ici pour B0, je remarque que j'ai autant de 0 que de 1, puisque il est obtenu par une alternance de 0 1, 0 1, 0 1, et ainsi de suite. Donc je crois que moi j'ai complété les 1. D'accord? Voilà donc j'ai 1 pour la combinaison 10 0 0 1. D'accord? 10 0 0 1. Donc c'est à ce niveau. Voilà. Après donc j'ai 1 aussi. Il faut se concentrer juste sur B0 puisque je cherche l'expression simplifiée de B0. J'ai 1 aussi pour 11 3 0. Alors 11 3 0. Donc c'est à ce niveau. Après j'ai 1 aussi pour. Alors donc 10, 100, d'accord? Alors 10, 100, donc c'est à ce niveau, d'accord? Après, donc et ainsi de suite, voilà. J'ai aussi 1, donc pour la combinaison 0, 0, 11. Et alors donc c'est à ce niveau, pardon. Voilà, 0, 0, 11, c'est à ce niveau. Et puis finalement, j'ai 1 pour 0, 1, 0, 10. 0, 1, 0. 10, il est où? 0, 1, 0, 10. Donc c'est ici. D'accord? Et puis donc le reste c'est des 0. D'accord? Bien sûr après avoir complété bien sûr les états indifférents. Là il faut faire très attention et donner du temps à quoi? À ce tableau de Carnot. Parce que c'est très risqué, il faut bien optimiser, il faut bien donner un résultat qui est optimal et qui respecte les règles. Donc toujours il faut donner quoi? Donner un temps. À votre quoi? À votre tableau. Donc il y a certains parmi vous qui vont aller rapidement ici et regrouper ces 8. D'accord? Je sais pas quoi, mais il y a mieux que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regrouper les 1 pour trouver les expressions, l'expression la plus simplifiée de B0, c'est de regrouper les 1. Donc là, je peux remarquer que ce 1 et celui-là et ces deux états indifférents peuvent se regrouper avec quoi? Avec ces 4. Ce 1 et ces 3 phi. Donc c'est un regroupement de 8 cases qui respecte la symétrie par rapport au grand axe, bien sûr, mais aussi qui respecte, qui décrit le fait que on a toujours le tableau de Carnot possède son caractère d'être quoi? D'être cylindrique. D'accord? Voilà. Donc après, regardez bien ici de même, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc il faut donner un peu de temps. Donc on a un regroupement qui peut regrouper ces deux 1. Donc 6, c'est 4 cases. D'accord? Et c'est le meilleur, donc ça c'est la meilleure solution. Il n'y a pas mieux que ça. Et alors que donc, si je vous laisse, si on était en classe et que je vous laisse chercher, etc., on va trouver pas mal de solutions, mais ça c'est la meilleure. D'accord? Voilà, donc toujours vous avez donc la règle qui dit faire le minimum de regroupements. Il faut faire des regroupements les plus gros possibles, mais aussi il faut faire le minimum des regroupements.
Voilà, donc rappelez-vous que qu'on essaie de regrouper, ce sont des 1. Bien sûr, il y a des états indifférents qui nous aident à agrandir nos regroupements. Donc, c'est le cas de ici et là. Mais il reste pas mal d'autres états indifférents, il ne faut pas les regrouper. Ça sert à rien. Voilà donc pour l'expression. Alors, pour celui-là, donc je vais avoir quoi? L'orange, le regroupement orange. Donc, je vais avoir le P4. Et après. 0 et je saute jusqu'ici 0 0 donc P4 P1 bar voilà et puis pour le bleu donc à ce niveau j'ai le P4 bar et ici c'est 0 1 0 1 donc P4 bar P2 bar P1 P4 bar P2 bar P1 voilà donc c'est la fin donc essayez de faire l'expression de même de la même façon bien sûr je n'ai pas moi, je ne l'ai pas faite, donc ce qui fait, donc essayez de la faire vous-même, l'expression de quoi de B1. Voilà.